yoga, on recherche le bien-être et la détente, ce qui est tout à fait naturel. Mais en même temps, il faut bien se rendre compte que c'est un travail personnel, un travail dans lequel on s'engage, où on a vraiment envie de faire quelque chose pour évoluer. Il faut s'investir un peu dans un objectif à long terme, pas vouloir des résultats trop immédiats, mais avoir la patience de faire ce travail qui nous apprend à mieux nous connaître. Et c'est avec le temps qu'on va découvrir au fur et à mesure tous les secrets du yoga, les effets du yoga qui peuvent avoir des effets excellents sur la santé. Le yoga est une discipline mentale, donc c'est vrai qu'on travaille sur le corps, mais en fait la discipline elle est mentale. Et le fait de travailler sur le corps, sur le souffle, finit par agir en adéquation avec le mental. Donc c'est aussi pour ça que l'association s'appelle Corps, Souffle, Esprit. Ce sont les trois éléments qui constituent le yoga.